tous, vous êtes bien sur la chaîne Les Secrets de Nana, je suis Razika. Nous sommes toujours samedi 8 mai 2021, donc après Servant, petit tour à Créteil, action de Créteil, c'est parti. Des bouteilles en verre, je sais que ça faisait 2-3 jours que je n'en avais pas revu en rayon, donc là il y en a plein, il y a les bouchons en inox, il y a les bouchons en bambou, c'est 1,59€, donc c'est des bouteilles en verre, donc elles sont très jolies, donc à table et tout, avec de l'eau, du jus de fruits, du lait, vous mettez ce que vous voulez à l'intérieur, donc le bouchon se ferme, donc après c'est plus pratique même pour remettre au réfrigérateur, 1,59€. S'il vous manque un ou deux pots à provision avec le couvercle en bambou, il y en a pas mal ici, 1,99€, alors c'est vrai que c'est dommage qu'ils n'aient pas plusieurs tailles, hein, enfin qu'ils n'en aient pas des plus hauts. 1,99€ avec les bouchons en bambou et puis le joint silicone. Tiens, ce matin, je vous ai fait une petite vidéo un peu spéciale, pâtisserie, gâteau et tout, mais il n'y avait pas le mixeur ou batteur manuel. Donc là, il y en a, donc il y a le blanc et le noir. Ils sont à 11,99€, donc il y a les deux fouets et les deux crochets à pétrin, donc 11,99€. Bouilloire, alors il y a pas mal de modèles niveau bouilloire, hein, donc ça dépend ce que vous recherchez au niveau de la matière, au niveau du litrage, en général c'est 1,7 litre. Le petit plus à Action, on trouve la petite bouilloire, elle fait 1 litre, 6,99€, alors l'intérêt d'avoir une bouilloire, parce qu'on va me dire, bah oui mais tu mets une casserole et tu chauffes de l'eau, ça chauffe l'eau beaucoup plus rapidement. On peut réchauffer l'eau pour se préparer une tisane, pour préparer le thé. Donc même le thé, si vous après vous mettez vos feuilles de thé dans la casserole, vous gagnez un petit temps, vous gagnez du temps avant que l'eau se mette à bouillir. Si vous avez une bouilloire aussi, pensez quand vous faites vos pâtes par exemple, réchauffez votre eau là-dedans et après vous mettez dans la casserole, ça ira un peu plus vite. Donc vraiment, ils ont pas mal de choix. Alors moi j'aime bien cette marque-là, donc si je devais en choisir une, peut-être celle-ci. Donc c'est celle qui est blanche, grise pardon. Vous voyez, je pensais qu'elle était blanche, grise, avec la poignée en bois. 19,95€, il y a gris, blanc et aussi du noir. Vous voyez, pareil, ce matin, il n'y avait pas ces rouleaux en inox et silicone à 2,99€, donc il y a plusieurs coloris. Je n'ai pas vu non plus ces moules en silicone, pour faire les petits gâteaux. Et c'est 1,79€. La nouveauté ou le retour, puisqu'on les a eu l'année dernière, c'est ces verres alors il y a écrit verre à vin, mais on peut mettre ce qu'on veut dedans. Mettre de l'eau, du jus, du lait, ce qu'on veut. 1,49€. Donc des verres à pied, donc ils existent en rose et bleu. Et ils existent aussi en vert et bleu ou en bleu et blanc. Tiens, ils ont remis aussi ces fameuses tables bistrot. 17,95€, moi je l'avais acheté il y a 2 ans je crois, je l'ai offert puisque j'ai changé de mobilier, mais elle est très bien parce qu'elle est pliante, donc même si c'est pour mettre sur un balcon ou une terrasse, du coup on peut la plier quand on n'utilise pas et on peut utiliser l'espace. Donc il y a aussi les chaises hein, qui sont vendues ici, alors je crois qu'elles sont à 15€, entre 15 et 16€, pareil pliante, vraiment pratique au niveau des tables et tout, je vous parlais de balcon. Et un truc qui est vraiment bien, c'est les tables aussi de balcon qui se replient pour gagner de la place. Mais c'est vrai que celle-ci, on peut au moins être vraiment 2 personnes, manger à 2 ou prendre un verre. 17,95€. Le fameux réfrigérateur. Donc, alors il y en a qui appellent ça des glacières, mais pour moi c'est un mini réfrigérateur. Et alors, il me semble. Donc je disais 38 litres, donc il n'y a pas de côté congélation d'après ce que j'ai compris, il est à 69,90€. Et on a aussi ces pots à provision avec le couvercle en inox, 1,92€. Ils ont remis les bols, si vous n'avez pas eu vos bols pour aller avec vos assiettes, 1,69€, donc c'est les plats comme ça avec le bord doré, et des petites assiettes pour déjeuner à 1,69€. Nouveauté dans les tapis de bain, enfin nouveauté au niveau au moins du motif, c'est ceux, parce qu'on en a eu des comme ça, ils sont en mousse, ils sont un petit peu épais. 2,99€, donc il y a le bleu, on va tous les voir. Le bleu, le noir, zébré noir, on a avec les feuilles. Donc ils font 45 par 70 cm. Alors, j'aime bien parce que sur les photos, ils ont toujours des super belles baignoires, mais entre nous, est-ce que vous avez une baignoire comme ça, vous? Alors, je sais qu'il y en a, bien sûr qu'il y en a qui doivent en avoir, mais c'est rare, quoi. Moi, ma baignoire, elle est rectangulaire, elle est entre deux murs,
C'est super quoi, d'avoir une salle de bain comme ça. Bon, pour l'instant, j'en ai pas une comme ça, mais c'est un petit peu le rêve. Voilà. Enfin, le rêve ou pas. Parce qu'en fait, ça doit pas être pratique parce qu'on doit mettre de l'eau partout. Donc, faut bien trouver un côté négatif et se dire qu'on est bien. Enfin, moi, je suis bien dans ma baignoire du coup. 2,99€. Je reviens à ces baignoires, vous savez ce que ça me rappelle moi? Ça me rappelle quand j'étais petite, il y avait les films les westerns qui étaient très à la mode. Maintenant on n'en voit pas, il n'y en a plus des westerns. En fait quand ils se baignaient, les cow-boys, là, quand ils prenaient leur bain, ben, en fait c'était dans une baignoire comme ça au milieu d'une pièce. Bref, mais là il y a un robinet. Hein. Après on est au niveau des tapis de bain, il y a ceux-là. Alors moi je voulais le gris, j'ai mis du temps à le trouver. Les couleurs qui partent le plus vite, c'est gris. Blanc, étonnamment, moi je ne mettrais pas de blanc chez moi, et le rose, voilà. Et on a ceux-là, qui sont, c'est pas les mêmes. Donc ceux-là avant, ils sont à 5,49€, ils font 50 par 80, et ceux-là, ils font 60 par 90, ils sont à 7,99€. Ils sont bien parce qu'ils sont antidérapants. La dernière fois, j'ai racheté un tapis, mais il était dans le rayon déco. C'est vrai, pour ma part, c'était pas pour la salle de bain. En fait, c'était, vous savez, les tapis rectangulaires qui étaient couleur... un peu blanc et un peu couleur marron clair. Et en fait, il glissait dans la salle de bain. Donc, j'ai enlevé et j'ai repris un comme ça. On a celui-là aussi qui est beau. Alors, j'en ai pris un et j'ai pas du tout adhéré. Je sais pas pourquoi. Je trouve qu'il salisse assez rapidement et que ça se peluche. Alors, vous savez, comme je vous dis, je suis toujours honnête avec vous. Quand c'est des choses que je connais pas, je vous dis que je connais pas. Hein, et quand j'ai. Voilà. Mais après, c'est moi. Peut-être que j'en sais rien. Peut-être qu'on prend trop de bain. Peut-être qu'on a les pieds trop. Trop sèche et donc du coup ça colle, j'en sais rien, mais voilà, mais en tout cas ils sont beaux, c'est dommage parce qu'ils sont beaux. 7,95€. On a ceux-là en bambou là. Ah ben j'avais pas vu ça comme ça, vous voyez. Alors j'aimais bien, puis je me suis dit ah oh, oui, mais il doit y avoir des trous donc l'eau va passer par là, mais pas du tout. Vous voyez comme quoi ça vaut le coup, vous voyez, c'est complètement uni et ça coûte 3,62€. Toujours la même baignoire, mais c'est pas la même, hein. Vous avez vu tout à l'heure c'était pas comme ça, donc voilà. Alors moi une baignoire comme ça, mais il y a de l'eau partout, alors surtout si les enfants... Alors ça voilà, c'est une baignoire sans enfants, parce que vous mettez des enfants là-dedans, alors laisse tomber, vous avez une piscine après. Alors je voulais juste vous montrer ce ton, cette couleur, elle est très jolie, rose comme ça. 1,99€, 50 par 100, 3,90€ drap de bain, 70 par 140. On a les gants de toilette à 45 centimes. On a d'autres couleurs, on a du noir, on a du gris, on a du bleu, du vert, et puis on a un autre rose, un peu un rose fuchsia. Ah bah tiens, alors ça, cet ensemble-là, on ne trouve pas dans tous les actions, ou du moins quand il y en a, ça part assez rapidement, il y a 10 pièces dedans, il y a deux grandes serviettes de bain, il y a 4 50 par 100 et 4 petites. Et c'est 19,95€. Alors Hôtel Royal, c'est une gamme un peu on va dire de luxe par rapport aux autres. Mais après, encore une fois, c'est chacun son choix. Parce que bon, ceux-là sont plus épais. Mais si vous préférez les serviettes un peu plus fines et un peu plus rugueuses, bah, ça peut être les autres. Donc c'est vraiment encore une histoire de goût. Je suis en train de dire les 4 x 16,21, c'est tout simplement des gants de toilette. Alors. Mais en fait, ça c'est une nouveauté. Hein, le fait qu'on en propose 10 comme ça, c'est une nouveauté. Hein. Comme je vous l'avais dit, hein, tiens, il y a la nappe, coupe de robe, donc il y a plein d'articles sur la France, Coupe de France, pour soutenir la France, donc ça, il n'y avait pas la dernière fois, les mirlitons, 59 centimes. Alors la coupe de robe, elle va avoir lieu, ça c'est sûr, hein. Donc si vous êtes un fan et que vous savez que vous allez les supporter, que vous voulez les siffler, enfin tout ce qui est déco, prenez-vous à l'avance. Oh, j'ai fait une faute, mais c'est pas grave. Prenez en avance les produits parce que je sais que c'est des articles qui vont partir assez rapidement. Prenez-vous-y à l'avance. Ouf. Ah bah tu vous voyez celle-là, cette casquette, je ne l'avais pas vue, c'est rigolo ça. 2,29€. Tiens, on a aussi le collier Hawaï bleu, blanc, rouge à 49 centimes. Il y a plein de choses aussi pour décorer la voiture. Il y a les fanions, il y a les trucs pour les rétroviseurs. Voilà. Alors je viens de rencontrer une abonnée et j'ai un petit peu échangé avec elle. Pensez au click and collect. Click and collect, vous allez trouver tous les produits non essentiels. Vous allez trouver, bon la personne elle se reconnaîtra, elle cherchait des bottes de pluie. Et les bottes de pluie sont disponibles dans le click and collect. Mais vous avez aussi plein de déco disponibles dans le click and collect. Et faites un tour, vous allez voir. Et par contre juste petit truc, il faut un minimum de 15€ pour pouvoir commander. Voilà, mais pensez-y. On a jusqu'au 19 pour y penser.
Donc on a l'ensemble de paniers de basket et pour jouer au tennis. Du coup je vois pas le prix, je vous l'ai présenté hier et je me souviens plus du prix. Je crois que c'est dans les 20 euros il me semble. Tiens, hier j'ai trouvé une petite trousse appelée petite trousse de secours avec des petites pinces à l'intérieur, une petite lime, etc. Je vous ai fait une petite vidéo sur TikTok. Si vous avez TikTok, n'hésitez pas à me rejoindre, c'est mes secrets de nana. Et je trouvais ça très intéressant, mais là il n'y en a pas du coup, donc je pense que ça arrivera sûrement en début de semaine prochaine. Sinon on a cette gamme toujours au melon avec la crème pour le corps. C'est une crème au yaourt pastèque, 1,99€. Allez, on termine par du sucré avec ces canettes. Alors on les a toutes goûtées avec les enfants. Alors moi, j'ai pas du tout adhéré parce que ça, bon, c'est un peu sucré. Pourtant, au goût, hein, pourtant c'est sans sucre. C'est marqué quelque chose. Zéro sucre, hein, mais en fait, on a bubblegum, je crois qu'on a barbapapa et on a aussi marshmallow. Il y en a trois, mais je ne me rappelle plus. Ah voilà, non, c'est ça. Coton candy. Mes enfants, ils ont adoré. C'est des grandes canettes de 500 ml en plus. Et alors, je vois plus le prix, mais c'est aux alentours, je crois que c'est moins d'un euro. Mais c'est bon, en fait c'est original, voilà, goût bubblegum, marshmallow et coton candy. Alors moi quand j'achète ce genre de choses, on en prend une et on goûte, hein, c'est vraiment pour goûter. Voilà, bon allez, plein de gros bisous à vous et puis j'espère vous retrouver pour d'autres vidéos dans la journée. À bientôt.